Good morning, allez-y, dernière étude sera aujourd'hui le Nishmat Avram Chayen Orbe Ben Fortune Mazal, et Yedida Bet Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Masechet Tmura, Perek Vav, Mishnah Bet. Eizeu etnan haomer lazona ar hei lich tale ze bischarech. Afilu mea kula nasurin. Vechen omer la chavero hei lecha tale ze vetanin shifchatra et salavdi. Rabbi omer eno etnan vachamorim etnan. On avait appris dans la Mishnah précédente, on avait évoqué différents cas de figure de psoulé amugdashin, d'animaux qui sont impropres à monter sur le misbéar. On avait évoqué deux cas particuliers qu'il fallait expliquer davantage, qui sont etnan, etnan zona ou mechir kelev. Deux psukim meforashim dans la parasha de Kitetse, perek rav gimel, pasuk yudzain, lotavi etnan zona ou mechir kelev bet hachem alokecha, lechol neder. Il y a marqué comme ça dans Perek Chav Gimel, Devarim, Perek Chav Gimel, parce que peut-être, l'otavi et tnan zona, tu n'apporteras pas un tnan zona, un salaire, une rémunération d'une prostituée, on va expliquer exactement c'est quoi une prostituée, et au mechir kelev, et la contre-valeur d'un chien, bet Hashem alokecha lechol neder, à la maison d'Hashem, donc au bet amigdash, pour accomplir un vœu, parce que Kitovat Hashem Elokecha Gam Shnem, car les deux sont répugnés d'Hashem. D'accord? Donc, on apprend de là qu'il y a ce qu'on appelle un Etnan Zona. On expliquera dans la prochaine Mishnah c'est quoi Mechir Kelev. C'est quoi la contre-valeur du chien? Pour le moment, on s'intéresse à c'est quoi Etnan Zona, le salaire d'une prostituée. Etnan, je ne sais pas exactement c'est quoi l'étymologie du mot, je pense que ça doit venir de Etnan, la chambre de la tête, Noten, ce qu'on donne en salaire à une prostituée. Alors, quand on parle maintenant d'une prostituée, le Bartonois, il explique qu'on ne parle pas en réalité d'une prostituée stable. On parle d'une femme que, en contre-valeur de l'acte d'aller avec elle, il y a un interdit explicite dans la Torah. Vous savez peut-être que une femme célibataire, si elle n'y a pas d'interdit de nida, alors, selon la loi stricte, il n'y a pas d'interdit de lave de partir avec elle. Il n'y a pas un interdit de la Torah. Il y a peut-être une mise à tasser. Il y a vadaï que c'est quelque chose de pas du tout correct à faire. En tout cas, par rapport à un interdit explicite de la Torah, il n'y a pas d'interdit. Sauf s'il y a, sauf pour certaines femmes qui ont un interdit, parce qu'il peut s'agir que ça peut être une mamzerette, une goya même, ou bien même une inceste. Alors dans tous ces types d'interdits, où il y a un interdit de relation avec elle, alors si on va lui payer en contre-valeur pour l'acte, on va lui payer un mouton, un animal, alors il sera interdit à cause de l'interdit de Etnan Zona. D'accord? Tout ça c'est explicite dans le Bartenora, qui nous rajoute encore d'autres choses. Il y a aussi, toutefois c'est la femme qui paye l'homme. Alors il n'y a plus d'interdit de Etnan. Par contre, un homme qui va payer un autre homme, alors il y a un interdit de Etnan sur le mouton. Même si après cet autre homme-là va faire tchouva, il va vouloir apporter un corban, il ne pourra pas prendre cet animal pour l'apporter en corban. Autre cas encore qui est rapporté dans le Tiferet Israël, quelque chose de très intéressant aussi. C'est un homme marié avec sa femme, mais sa femme elle est Nida, il y a un interdit de Nida. Alors le Tiferet Israël apporte que, et maintenant elle ne veut pas aller avec lui, et lui il va la soudoyer en lui offrant un animal. Alors cet animal-là, il ne sera pas concerné par l'interdit de Etnan Zona. Ça c'est un peu annexe quelque part, parce que dans plusieurs halakhot on constate que la Nida, l'interdit d'aller avec une femme Nida, ça ne dépend pas tellement de l'halakhot de l'inceste. C'est plutôt un autre domaine de la Torah, c'est plus lié à la pureté, donc on n'est plus concerné par les lois de Nida, par les lois de Etnan Zona. C'est un peu quelque part comme si quelqu'un irait avec une femme, hein, Yom Kippour, qui la payerait. Il y a un interdit d'aller avec, un des Chamisha Inouïm, mais malgré tout, je ne pense pas qu'il y aura un interdit de Etnan Zona dans un cas pareil. Parce que c'est pas le problème, c'est pas la femme en elle-même, c'est pas une inceste, c'est pas un problème de rapport avec une mauvaise femme, c'est le problème, c'est pas un jour où c'est permis. Donc on continue maintenant avec la Mishnah. Ezo Etnan, qu'est-ce qu'on appelle un Etnan? La Mishnah m'enseigne à Omer les Zona, celui qui va dire à ce qu'on appelle une Zona, une prostituée, parce que c'est pas prostituée dans le sens français du terme, c'est à moitié. C'est sûr qu'on la paye en contre-valeur, mais à condition qu'il y ait un interdit dans cette relation. Hey, lire talézé bisrarech. Voilà donc, prends donc ce talé, ce mouton, bisrarech, pour ton salaire. Dans ce cas-là, afilomea kulanasurin. Même s'il en donne 100, ils seront tous interdits. Il y a un grand fridouche là. On a fixé que le salaire, c'est 1. Finalement, je décide d'en donner 100. Eh bien, on aurait pu croire que 1, c'est le salaire.
99, c'est en plus. Non, la Mishnah m'enseigne, tous, ils arrivent tous en guise de Etnan Zona, et ils seront tous interdits. C'est pas précisé pourquoi, et c'est très intéressant, j'ai pas encore étudié la Gemara, c'est en Dafayumi, c'est la Mishnah à peu près plus vivante d'aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi, c'est pas précisé. Pourquoi Kola Nasoyim, d'accord? Et on continue. Ils ont tous un statut de Atnan, c'est pas précisé pourquoi. Vechen à Omer, peut-être que ça vient du mot Atnan, c'est ce qu'on donne, c'est pas forcément un salaire, je sais pas. En tout cas, on continue. Vechen Omer à la Chavero, hey, lecha, taleze, vetalin, shifratra, salavdi. Celui qui va dire à son ami, prends donc ce mouton, vetalin, shifratra, et salavdi, afin que ta servante va dormir, passer la nuit avec mon esclave. Rebbi Omer eno etnan. Rebbi pense qu'il n'y a pas d'interdit de etnan dans une relation pareille. Chachamim omrim etnan. Et Chachamim pense qu'il y a un interdit de etnan. Et là, je vais faire une petite pause pour expliquer un petit peu les lois des avadim et des esclaves. Il y a deux domaines d'esclaves. Il y a l'esclave juif et l'esclave goy. Eved ivri, eved knani. Esclave goy, ça implique que ce n'est pas un goy. C'est un goy qu'on a acheté. Il était goy. Mais lorsqu'on l'achète en esclave, alors il va prendre un statut de juif pour plein de halachot. Il sera imposé de plusieurs mitzvot, comme au même niveau qu'une femme. Toutes les mitzvot assez, shello hazman grama. Il est interdit de tous les interdits. Il doit même faire attention à la nida et tout ça. D'accord? Ça, c'est pour ce qu'on appelle un eved au shifra knaanit. Knaanion. Knaani au nom de Knaan qui était maudit, qui sera esclave. Alors, du coup, on appelle tous les esclaves en ce nom. Mais ça inclut tous les goy qu'on pourrait acheter. Il faut lui faire le brit mila. Il faut le tremper au mikvé. Et puis maintenant, il devient un esclave d'un juif. Ça, c'est une halacha. Et à part ça, les eved ivri. Eved ivri, c'est lorsqu'un frère juif se vend en esclave. Alors là, il y a des halachot très différentes. Si l'esclave goy, eved knani, il a un statut de vrai esclave, c'est un vrai bien, ton fils. Presque ce que tu veux, tu as quelques petites limites de respect humain, mais en tout cas, c'est un bien que tu hérites, tout ça. Pour un eved ivri, lorsque tu achètes ton frère juif, alors il prend certes un statut d'esclave, c'est devenu ton bien, mais avec des restrictions. À non plus finir, d'abord il devra sortir au Yovel, il ne pourra pas rester plus qu'au Yovel. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler spécifiquement des relations entre esclaves et servantes. Il y a tout d'abord quelqu'un qui a une servante, goy, une shifra knanit, eh bien il n'a pas le droit d'aller avec elle. Il y a un interdit explicite de la Torah. D'accord? Lui ou n'importe quel autre juif, il n'a pas le droit d'aller, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle, premièrement. Par contre, un esclave Eved Knani, il a le droit d'aller avec une Shifra Knani, même s'ils ne sont pas forcément mariés, si on peut appeler ça marié. C'est considéré comme j'ai une vache et un taureau chez moi, je peux prendre le taureau de là-bas et la vache, il n'y a pas de. Ils ne sont pas mariés à la cérémonie à l'église. D'accord? Il n'y a pas de. À l'église des vaches. Ça n'existe pas, il n'y a pas. Je peux prendre là, je la coupe comme ci, comme ça. Je fais la même chose avec les esclaves, j'ai aucun problème. Par contre, avec le Eved Ivri, là, c'est plus délicat. Il y a une halakha spéciale. Le Eved Ivri, ça se passe comme ça. Ça déduit du pasuk Im Begapo Yavo Begapo Yetse dans Parashat Mishpatim. Si le Eved Ivri, il est rentré chez moi quand je l'ai acheté, il était marié, alors je suis en droit aussi de lui coller une Shifra Knanit pour qu'il continue à produire la nuit. Ouais. Ki Mishnei Sra Sachir Avadra, il a travaillé doublement. La Gemara déduit, il travaille le deux jours et deux nuits. Il apporte des petits sur terre. Je lui colle une Shifra Knanit, pas avec sa femme. Avec, entre parenthèses, ça n'existe pas une servante juive, si ce n'est le fait que la petite fille, jusqu'à qu'elle atteigne la puberté, et après c'est fini, elle sort, et ça n'existe pas une femme qui se fait vendre. Dans le Rambam, c'est pas exactement comme ça, mais en tout cas, pour la vie en général, il est que ça n'existe pas une servante juive. Donc on parle forcément d'une Shifra Knanit. Ok, je reviens maintenant sur l'esclave. S'il est rentré, il était marié, il a une femme, alors là, la Torah l'a dit, bon, tu sais quoi, tu peux aussi exploiter aussi ce domaine-là, hein, tu lui colles aussi une servante, comme ça il va t'apporter des petits, lui après il sortira, il récupérera bien sûr sa vraie femme, mais l'autre, elle restera chez le maître, et les petits aussi, ce seront aussi le bien concrètement du petit, ils auront un statut de Bet Knani. Ça, c'est à condition qu'il était marié. S'il n'était pas marié, alors là, le maître n'a pas le droit de lui coller une Shifra Knanit, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle, comme ça sort de la Mishnah. Il n'a pas le droit, j'insiste parce qu'il y a une... Bref, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec une femme pareille, parce que c'est pas la Torah, elle n'a pas donné cette permission, elle n'a pas cette possibilité. D'accord? Ça, c'est selon Chachamim. Donc, de ce fait, maintenant, on revient sur la Mishnah. On parle que je suis parti voir mon voisin, je lui dis, tu sais quoi, toi, tu as une Shifra là-bas, tu as une servante. Moi, j'ai mon esclave, juif.
J'ai une dette envers lui, je vais lui faire plaisir, je vais prendre ta servante, prends ce mouton. Et prête la servante pour une nuit. La Shifra Knanit avec un Eved Ivri qui n'a pas de femme. Donc il y a en théorie un interdit, c'est pour ça que Ramim dit dans ce cas-là, c'est une relation interdite, le Etnan il sera interdit. Ok? Parce que c'est un salaire pour une relation interdite, donc le mouton il sera interdit. Il sera interdit au misbère. Selon Rebbi, il y a deux avis dans le Bar Tanoura comment interpréter. Soit il n'est pas d'accord avec la donne, il pense que tout esclave a le droit, tout esclave juif a le droit de se marier avec une servante goya. Ça fait partie, premièrement, première éventualité. Ou deuxième éventualité, c'est que non, Rebbi aussi il pense qu'il y a un interdit dans cette relation. Mais puisque c'est un interdit qui est face à l'esclave, un interdit qui est tantôt levé, tantôt retenu, alors c'est pas un interdit assez important pour que le salaire qu'on va donner pour cela sera un interdit de Etnan. Au même titre qu'on remarque que c'est pas tout salaire pour une relation où il y a un interdit qui va se transformer forcément en Etnan. Comme on a évoqué le cas de la Nida par exemple. Il y a des exceptions à la règle. Alors, au même titre aussi, selon Rebbi, le fait qu'un esclave ait un rapport avec une servante, il n'y a pas ici un interdit d'inceste tellement grave, c'est juste la Torah, certes, c'est un interdit, mais c'est plus assez violent, puisque « hutar miklalo », c'est le mot du Bar Tanoura, « hutar miklalo bishifra knanit », c'est un interdit qui est levé de temps à autre par rapport à la shifra knanit. De ce fait, selon Rebbi, le salaire n'aura pas de statut de etnan zona, on pourra en faire un korban misbir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, la sacha kol tov, c'est là.